Question d'équilibre pour cet artiste de la rue, mais aussi question d'esthétisme pour cette compagnie présente à Aurillac, mais drôle d'impression pour ces artistes afficheurs. Au fond, si l'envers du décor était tout simplement un défilé de mode avec la compagnie Cirque Atomique et l'uniforme club, les robes originales sont recouvertes de fourchettes, de couteaux, de capsules, de chambres à air ou d'ampoules électriques. Aurillac et ses cantaliennes défilent sur des modèles conçus dans la capitale du théâtre de rue. Les spectateurs venus nombreux admirent les collections. Plastique de bouton en bulbeur à chicane de Californie. Mais je vais pas pouvoir vous dire, je laisse un peu la surprise dans le défilé que vous allez voir ce soir est né d'une fidèle collaboration avec le club de couture des petites mains d'Aurillac et un homme, c'est le bras droit, le second couteau de monsieur François Fillu. Sur la vidéo. Attention, il a son prix de... Son pied est pris dans votre sac, madame. Ne le faites pas choir. Bien. Hop, c'est moi. Voilà, je t'attrape. Est-ce que quelqu'un peut lever la corde? Passe dessous. T'inquiète pas, c'est bon. Donne-moi le bras. Voilà. Ouf! Nous allons compter ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4. Et voilà, mesdames et messieurs, François Fillu. Elle est là, François. Elle est là. Nous l'avons coiffée, préparée, elle est magnifique. Elle est là, Solange, regarde. Attends, tourne-toi vers là. Ça, c'est la robe. Oui, voilà, tu reconnais son grain de peau? Bien particulier. Eh oui, oh là là, je te sens. Allez, 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 faut tenir le coup, hein. Tu vas lui demander tes vœux dans quelques minutes. Hein? Quoi? Non, il peut pas, non, musique.